bonne année 2024. Venez découvrir avec moi la nouvelle saison du Concert de la Loge et du Quatuor Cambini Paris dans ce lieu historique, le collège lycée Jacques Decour, dans lequel nous sommes en résidence. Nous allons reprendre la création de Haydn que nous avions montée pour le Festival de Saint-Denis en 2023, mais cette fois-ci dans une version allemande pour Rheingau et Bremen. Ce sera aussi l'occasion de reprendre nos 4 saisons du ballet dans la chorégraphie de Mourad Merzouki partout en France. On va fêter aussi un événement très important lié à un compositeur allemand qui a habité en France, qui est venu par Marie-Antoinette. Il est où? Il est là, voilà. C'est Gluck. Gluck qui a écrit son Iphigénie en Olive en 1774. On fêtera donc le 250e anniversaire de la création de cette œuvre. Nous l'avons enregistré pour le label Alpha et ce sera le premier enregistrement sur instrument ancien. 2024 sera aussi l'occasion de reprendre le Requiem de Mozart. 2024 sera aussi l'occasion de créer notre programme La Forêt Enchantée, basé sur l'œuvre de Francesco Geminiani avec Julie Roset et Adèle Charvet. Et cette année, une édition exceptionnelle du Il Baroque Choc avec 10 lycées franciliens et 2 lycées des Hauts-de-France. Au Festival de Saint-Denis, nous donnerons la résurrection de Handel. Sera aussi l'avant-dernière année de notre intégrale des 68 quatuors de Joseph Haydn avec le quatuor Cambini au Théâtre de Caen. Et que serait une année sans marathon de concertos présenté par Nelson Monfort ?